comprendre que nous allons s'affirmer progressivement pour rester le plus grand autonome et indépendant du pays. En juillet 1994, en dépit des objections des autres membres de l'Église catholique, l'ancien président Pierre Jolie a ordonné une répression massive aux familles et des libertés personnelles de pratiquer le jugement. Thank you.
Notre activité par une minute de silence pour toutes les victimes du Syrien et toutes les martyrs de la révolution syrienne, et avec une pensée pour notre ami Fadwa Suleiman qui nous a quitté il y a quelques jours. Une minute de silence s'il vous plaît. Voilà, merci tout d'abord pour toutes nos amis qui sont venus nous soutenir comme d'habitude depuis le début de la révolution. Ça fait 4 ans depuis le massacre chimique de Ghouta, et le régime de Bachar el-Assad, il n'est pas encore jugé. Au contraire, il est presque félicité par la communauté internationale. Il continue avec ses alliés à massacrer la population syrienne par tous les moyens, toutes les armes, des armes chimiques. D'après les rapports de l'ONU, le gaz sarin, il était utilisé plusieurs fois après, sans aucune réaction de la communauté internationale. Et les bombardements, ça ne s'arrête pas sur toutes les villes de la Syrie, et des familles entières qui sont en train de disparaître l'un derrière l'autre. La population syrienne, elle est en deuil continue, et on ne sait pas c'est quoi la suite.
Qu'est-ce que, je répète juste une phrase d'un vieillard qu'on a parlé avec lui il y a quelques jours en Syrie, dans la ville de Raqqa, qui est comme la communauté internationale veut nous faire croire qu'il est en train de libérer la ville de Raqqa des mains de Daesh. Mais en réalité, Daesh, c'est une mythe qu'on a créée. Et je ne vais pas dire qu'il n'existait pas, mais ils ont quitté la ville de Raqqa depuis très très longtemps, depuis 10 mois et 10 mois. Il ne reste même pas 400 combattants. Et les Américains, ils ne veulent pas que la bataille de Raqqa termine très vite, parce que tellement qu'on a fait de Daesh un monstre, ça ne va pas être logique pour eux peut-être. Et la bataille, ça se termine très vite et Daesh disparaît comme il est disparu à Mosul. Beaucoup, ils ont arrêté la bataille terrestre et ils continuent à bombarder seulement en se disant on bombarde les dirigeants de Daesh, mais en réalité, il n'y a plus de dirigeants de Daesh à Raqqa. Il n'y a que de la population, les habitants de Raqqa, les déplacés des autres villes qui étaient coincés à Raqqa. Et donc un vieillard me dit, dites à la communauté internationale qu'est-ce qu'ils veulent de nous et on va l'appliquer. Ils n'ont pas besoin de nous massacrer pour obtenir ce qu'ils veulent de nous. Ils veulent nos maisons, les Iraniens ils ont déjà pris. Ils ont nos terrains, nos champs des oliviers, des palmiers, tout est brûlé avec les victimes. Et on veut que la communauté internationale lance une bombe atomique sur toute la Syrie, c'est le vieillard qui l'a dit, et comme ça on est tranquille et la communauté internationale est tranquille. Imaginez où on est arrivé, la population syrienne est tellement dans le désespoir qu'ils souhaitent qu'ils soient bombardés pas par les gaz sérènes ou par les armes chimiques, mais par les bombes atomiques exactement. Voilà, donc je ne vais pas parler trop parce que tout le monde connaît l'histoire, les massacres. Mais on va dire une seule chose, que la communauté internationale, au plusieurs pays européens, ils sont en train de faire la promotion que Bachar el-Assad peut rester. Mais comment il va rester? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Nos morts qui sont partis par des centaines, dans chaque famille, des dizaines, qu'est-ce qu'on va dire à leurs enfants? On va dire de désolé Bachar el-Assad, on était en train de rigoler avec toi. C'est ça que les gens ils ne comprennent pas. C'est vrai, l'Occident il s'inquiète beaucoup de Daesh. Et c'est légitime qu'ils ont peur pour leur sécurité. Mais il n'y a pas sur cette terre que l'Occident. Il n'y a pas que les Français, les Américains et les Anglais et autres. Il y a des autres populations, des autres nations qui ont le droit d'exister comme toutes les autres nations. Ils ont le droit de vivre en sécurité, en paix. Et c'est tout ce qu'ils ont demandé, les Syriens, c'est la dignité. Et malheureusement, on est en train de massacrer cette population au nom de la démocratie internationale et de la lutte contre le terrorisme. Je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à M. Michel Morizier au nom de Collectif pour une Syrie libre et démocratique. Et avant que je termine, juste un dernier mot pour notre ami Fadwa Suleiman qui nous a quittés avant qu'il voit la Syrie libre et démocratique, comme beaucoup des Syriens qui sont disparus avec elle. Et peut-être nous aussi on va disparaître avant que ce jour arrive, mais on est toute l'espoir qu'une révolution c'est une idée et les idées ne meurent pas. L'idée de la révolution syrienne, de la démocratie et de la liberté, elle est lancée. Donc il ne va pas mourir et ce jour il va arriver. Si on ne le voit pas, nos enfants, ils vont le voir, ils vont profiter de la démocratie, de la liberté de la Syrie. Les premiers jours que Fadwa Suleiman était en France, on l'avait accompagné. Et je me souviens d'une première réunion qui avait eu lieu dans un café. Et elle nous a dit, vous êtes en train d'abandonner la révolution syrienne. C'était tout à fait au début. Tout à fait au début. Vous abandonnez la révolution syrienne. Cette révolution pouvait être pacifique. Et vous l'abandonnez. Bon, on n'était pas toujours d'accord avec ce que disait Fadwa. Mais je crois, quand elle a dit si peu, elle avait raison. Voilà. Aujourd'hui, après plus de 6 ans, vous êtes présents. Et le fait que vous soyez présents, ça veut dire que ce combat est juste et que ce combat finira par gagner, quoi qu'on en pense. Aujourd'hui, ils organisaient une exposition à Damas. Il y avait la foire de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des roquettes sur la foire de Damas. Ce qui prouve que rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Et que Bachar ne peut pas gagner. Le problème, c'est que les hommes politiques, il y a 6 ans,
certains politiques, ils étaient très favorables à ce qui se passait à la révolution syrienne. Et c'était l'opinion qui, elle, ne basculait pas vers la révolution syrienne. Aujourd'hui, je suis persuadé que les choses sont inversées. Quand on discute avec les gens, ils ont compris que c'était le besoin du peuple syrien à la liberté et à la dignité. Ils l'ont compris. Il y a quand même un certain nombre d'articles, un certain nombre d'émissions. Et malheureusement, ce sont eux les politiques qui reviennent en arrière. Cette position de dire on va peut-être pouvoir discuter avec Bachar el-Assad. Et ça, on ne doit jamais l'admettre. Bachar el-Assad, c'est comme Hitler. On ne peut pas faire concession. C'est notre propre humanité si jamais on accepte ça. Donc on ne lâche rien. On ne lâche rien. On fera des communiqués. On fera des manifestations. Mais on ne lâchera rien. On n'acceptera rien. Merci. طاهرا عيدا طاهرا عيدا.
holding you.